Bienvenue à la boutique Napoléon qui sponsorise cette vidéo. La boutique Napoléon, c'est au 10 rue du Beaujolais, à Paris, et c'est une boutique spécialisée dans les articles en rapport avec l'empereur. Sabres de cavalerie forgés à la main, drapeaux brodés en soie, mousquetons de cavalerie, cartes d'époque, bustes en marbre, vous avez tout un tas d'articles pour les amoureux de l'empereur. Ici, vous retrouverez de la qualité et de la nostalgie. Pour tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces articles sur napoleon-souvenir.com. Alors n'hésitez pas, si vous êtes un fan de cette grande époque, vous trouverez ici tout ce que vous voudrez. Salut les gars, aujourd'hui on est avec mon pote Christophe Orlan que vous connaissez. Salut à tous. Dans la Somme, pour, avec le corps d'observation du corps Rhin. Corps d'observation du Rhin et grenière et de la Somme. Et grenière de la Somme avec Alain. Bienvenue à vous. Et Karen. Bonjour. Merci bonjour de nous recevoir, c'est vraiment bonjour gentil. C'est sympa. Merci à vous d'être venu. Alors, nous on a reçu une lettre dans notre boîte aux lettres, on montrera aux gens. En gros, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Alors, ici, parce que... on a un rassemblement de deux groupes d'infanterie de ligne dans le cadre d'une préparation pour une manifestation au château de Versailles en septembre. Très bien, donc là c'est quoi? C'est un peu vos répètes ou... C'est nos répètes. C'est vos entraînements, ok. C'est nos répètes. Vous, vous êtes des reconstituteurs. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on vous appelle? Oui. Reconstitueurs. Des reconstituteurs, pardon. Oui, les deux sont. Les deux disent? Ok, très bien. J'ai pas fait de. Parce que des fois je dis un mot dans mes vidéos qui n'existe pas, t'es sûr qu'il y a 200 commentaires qui ouais, veulent. Voilà, bah là tu les auras voilà de toute façon. Donc reconstituteurs ou reconstituteur, ouais. Premier Empire, c'est ça tout. Vous êtes spécialisé Premier Empire, c'est et ça notamment tout ce qui est militaire. Absolument, donc on représente de l'infanterie de ligne, qui est la base de l'armée française à l'époque de la Révolution et de l'Empire. Ouais. Donc c'est le soldat, lambda, moyen, de l'infanterie, traditionnel. Quoi. Ok, super. Et alors nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Bah écoutez, on va essayer de vous faire découvrir au maximum la vie du soldat de l'époque. Ouais. Qu'est-ce qu'il mange, comment il vit, comment on intègre un conscrit. Et comment ça se passe sur le terrain quand le gars arrive? Parce que quand vous avez 2000, 3000, 5000, 10 000 hommes à faire bouger en même temps, bah c'est pas aller les copains, on y va. Parce que quand tu dis un conscrit, faut expliquer aux gens, un conscrit, ça peut être aussi bien un appelé que quelqu'un qui s'engage ou pas. Alors en fait, ça peut être quelqu'un qui est tiré au sort. C'est là que vient l'expression tirer le bon numéro. D'accord. Okay. Tirer le bon numéro, c'est quand tu as du bol et que tu restes avec papa et maman. Okay. Alors le conscrit, bon, on va dire que toi, tu es le fils d'un grand bourgeois. D'accord. Et qu'en fait, t'es plein de thunes et t'as vraiment pas envie d'y aller. Donc, tu te payes un remplaçant. Ah, parce que lui, il est chargé beaucoup, de famille. Ouais. Donc, et tu payes un remplaçant, c'est une possibilité, ou tu peux être volontaire. En disant, j'aime ma patrie, j'ai envie de découvrir du pays, et tu es volontaire, il y a une enquête de gendarmerie qui est faite sur toi. Et on t'envoie directement au régiment, et tu passes pas par le tirage au sort. À ton avis, on est plus volontaire ou on n'a pas vous une avez des bonnes têtes de conscrits quand même. Donc on va y aller comme ça. Sympa. Ok, ah, super. Donc le premier truc à faire, j'imagine que c'est se mettre en uniforme. On va te mettre en uniforme. J'ai trouvé que c'était drôle te connaissant. Oui. Tu es un séminariste, je te remettrai ton document, qui a renoncé à ses vœux de piété pour rejoindre l'armée. D'accord. C'est sympa. Bah, écoute, et toi, par contre, t'es engagé volontaire. Ah, bah parfait. Hein, donc, bien. Ok, bah alors, c'est parti alors pour s'équiper. Ouais. Allez, c'est parti. Grenadier et fusiliers, donc l'élite. Bien sûr. Normal. Voilà. Et moi, le mec de merde. Voilà, okay. Donc les fusiliers, c'est et, le. Et Karen, c'est quoi une vivandière? C'est une vivandière. Alors, moi, okay, je suis une vivandière. C'était pour être sûr. Très voilà bien. Alors, tu veux expliquer peut-être ce que c'est une vivandière aux gens? Bah, une vivandière, tout simplement, c'est des femmes, il y avait aussi des hommes, qui suivaient les troupes pour vendre aux troupes tout le nécessaire. De la bouffe et tout? De la bouffe nécessaire de couture, de rasage boutons, et tout, okay, rasage, de l'encre, du papier. Ok. Et tu fais toute la campagne comme ça? C'est ça. Comme les armées sont souvent suivies par des femmes qui ne sont pas forcément de bonne vie, oui, les vivandières sont considérées comme personnel intégré au régiment, bien que civil.
D'accord. Donc, à toute réquisition, elles doivent présenter leur patente. Donc, ça permet, si tu veux, quand tu es contrôlé par la gendarmerie, que, voir que la dame ne se livre pas au, au plus vieux métier du monde. Pour te considérer, donc toi, tu es engagé volontaire, oui. Et tu as un papier d'engagement volontaire qui te décrit comme quoi il y a une enquête de gendarmerie sur toi et que tu es un sujet de bonne moralité. Jusque-là, tu as bon le passeport. Une fois que vous êtes incorporé, vous faire une feuille de route. Donc, une feuille de route, c'est on vous décrit le numéro, le régiment. Donc, tu sais à quel endroit tu t'arrêtes, à quel endroit tu couches, quel jour t'es arrivé, quel jour t'es reparti. Et à chaque fois, tu as une validation de la gendarmerie pour éviter qu'il y ait des gens plus ou moins bandits, des branchements, réfractaires, déserteurs qui se promènent en uniforme dans les campagnes et qu'on ne sache pas trop qui c'est. Comment ça se passe pour le mec qui a perdu ses papiers? Il est très mal. Ça d'accord. Se passe mal. On commence déjà par l'emprisonner et après on cherche à savoir qui il est. Tu es donc un prêtre, enfin un novice qui a renoncé à ses vœux. Tu as un papier disant que tu as renoncé à tes vœux, que tu as préféré défendre la patrie, entre autres choses. Et donc tu as ça à présenter. Très ça bien. Justifie. On va vous appeler deux instructeurs et puis comme tout conscrit, vous êtes pris en main. Super, ok, bah écoute, on a hâte. Caporal Burnier, à moi! Caporal Pousse-Caillou, à moi! Donc, vous venez d'être conscrit, vous venez d'arriver à votre régiment. Donc, tu es plutôt de petite taille, tu intègres les compagnies du centre, les compagnies des fusiliers, donc la base, compagnie d'élite, donc compagnie des grenadiers. Pour vous apprendre les bases de la vie du soldat, il y a deux choses. L'école du soldat, l'école du peloton. Donc, l'école du soldat, vous allez la faire avec deux instructeurs, un instructeur plus un miroir, qui vont vous apprendre les rudiments de manière à vous former. Et quand vous êtes bon en école du soldat, on vous fera placer en école du peloton, donc manœuvre avec des pelotons complets à 20, 40, 60 hommes. Et le coude est légèrement plié, donc là c'est pas mal, et de l'autre côté c'est top, avec le yen. Donc là, vous êtes tu vois, toi t'es pas mal, mais moi je suis top. Prends soin de le souligner. Moi je suis grenadier aussi. Mmh. On se bien à toucher la hanche. Tu fous la honte, du coup. C'est important cette position. La marche, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une marche qui est assez lente. Le rythme, c'est 76 coups minutes. Alors l'intérêt de passer à 76 pas minutes, c'est de permettre une bonne compréhension dans le temps des gens. Et surtout entre un mec qui va faire 1m98 et un mec qui met 1m55, les enjambées ne sont pas les mêmes. Donc il faut conserver, c'est la base, la cohésion de l'unité. Parce que si tu arrives en vrac, que tu as une charge de cavalerie, c'est plié. Grosso modo, il faut que tu aies l'impression d'un mur qui avance vers toi. Donc, on vous apprend à manœuvrer très serré, à être toujours serré épaule contre épaule. Le gars derrière, il est collé à votre havresac, ne serait-ce que pour vous empêcher de reculer quand vous avez un peu trop la trouille, d'ailleurs. L'idée, c'est la masse. Tu nous as trouvé comment? Ah bah c'était franchement mauvais élève ou bon élève? Non, bah ça s'est bien passé vraiment. C'est tout on premier, a passé un bon moment. Non, mais c'était je ne sais pas trop combien de temps il passait à l'instruction, les conscrits. Ça se faisait beaucoup pendant les marches vers le régiment ou vers les batailles. Tu avais une instruction de base et ils marchaient. Chaque fois qu'il y avait un moment d'arrêt, ils avaient droit, non pas forcément à se reposer, mais ils se tapaient de l'instruction. Ok, donc on s'est rentré. À peu près formés quand ils arrivaient ou au régiment ou en bataille. Ouais, bah.
Un peu, oui. Ouais, j'ai faim, j'avoue, parce que la route et tout, surtout toi, tu t'es tapé de la route de ouf pour venir. 4 heures de route, ouais. Alors, non pas qu'on ait fait des choses très fatigantes ce matin, on a appris le pas et les... comment présenter armes, tout ça, c'était intéressant. Mais moi qui ai horreur de rester debout sans rien faire. Est-ce que c'est la première fois que tu mets un uniforme J'ai mis une fois un bonnet à poil quand j'étais au Plessis bourré avec des reconstitueurs. Mais j'avais l'air ridicule du coup parce que j'étais oui, en short. J'ai vu la photo. Est-ce que tu te souviens de ça? Je me souviens de la photo, ouais. Mais là, c'est la première parce fois toi, que... toi, là, c'est vraiment ton truc quand même. Mine de rien, toi qui es passionné, t'es passionné d'histoire. Je suis passionné. Et on peut redire aux gens d'aller voir ton site peut-être, qui est lagrandehistoiredefrance.fr. Bah, voilà. Je te remercie de Où de tu rappeler. Donnes des cours d'histoire, mais qui sont vraiment archi accessibles, ça pour le coup, sur des sujets bien précis. Je le dis parce que moi, on s'est connus grâce à ces cours et j'ai vraiment hyper apprécié notamment le cours sur Napoléon, mais t'as d'autres sujets aussi. J'ai d'autres sujets, j'ai Clovis, Jeanne d'Arc, Louis XIV et le dernier, c'est l'histoire de France racontée aux enfants. Ah oui, super, ça aussi, pour si vous avez des enfants. Précisé. C'est des fiches, tu crois que tu as des fiches de révision, tu as un questionnaire à chaque chapitre et tu as des vidéos explicatives. Ouais, vidéos, fiches à imprimer ou à télécharger, questionnaire, et tout ça est structuré sur une plateforme en ligne. Quoi. Et sinon, de toute façon, les gens peuvent retrouver ton format sur YouTube, La Petite Histoire de Christopher Lannes. C'est ça, sur Télé-Liberté et ma chaîne YouTube. Voilà. Le but de tout mon travail, c'est de refaire aimer la France aux Français par l'histoire. Voilà. Et là du coup, ouais, est-ce que ça aide de ça? Je vois des gens passionnés. On m'a dit qu'il y avait des étudiants en histoire, pas mal de jeunes. Ouais. Donc je pense que ça peut leur être utile et c'est une bonne expérience. Elle est particulière, la vivandière, là, celle avec les cheveux longs. Allez, à table. À table, oui. J'aime l'oignon car il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile. J'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Oppa camarade, oppa camarade, oppa, oppa, oppa. Oppa camarade, oppa camarade, oppa, oppa, oppa. On a vu la conscription. Oui. On a vu l'instruction. Ouais. On a vu la cantine qui était intéressant. Intéressant. Encore l'instruction et tout, c'est Isa. Après la cantine, c'était bien. Hein. Vous avez bien mangé parce qu'en général, c'est plutôt de l'eau avec de la farine dedans. C'est des soupes aux herbes, comme c'est des paysans. Les gradés, tu as remarqué qu'effectivement, on servait les hommes de troupe d'abord, les caporaux, les sergents, les gradés. Pour une question de partage, et comme la viande n'est pas forcément toujours très présente, quand tu manges au niveau d'une escouade, le caporal se sert toujours en dernier. Il n'y a pas forcément beaucoup de viande. Donc les hommes de troupe mangent d'abord et s'il reste un morceau de viande, le caporal mange. Peut-être tu peux nous expliquer un petit peu depuis quand vous faites ça, ce que vous faites exactement, ce qui vous différencie un petit peu des autres. Alors moi, je fais ça depuis 2010. Edouard, c'est depuis... Moi, ça va faire 15 ans maintenant. Ah ouais, ouais, c'est toi l'ancien, en fait. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé à l'âge de 15 ans tout frais. Et normalement, en général, les associations acceptent plus difficilement un enfant, ouais. Surtout quand il est tout seul, parce que du coup, j'ai aucun membre de ma famille qui m'a suivi dedans, comme ça peut être le cas pour d'autres enfants en reconstitution. Donc du coup, moi, j'ai eu cette chance-là, et puis bah, petit à petit, j'ai fait mon chemin avec des hauts, des bas, mais j'y suis toujours, et c'est toujours un immense plaisir de, bah, de représenter, de reconstituer, et puis d'une certaine manière, de rendre un hommage... aux inconnus de l'Empire, à ceux qui ont fait les batailles et les marches. Parce que dans votre démarche, il y a une démarche d'hommage alors ? Alors il y a une démarche d'hommage et la reconstitution a beaucoup évolué. Grosso modo, la reconstitution a commencé en 85, tu as eu tous les bicentenaires des campagnes de la Révolution et de l'Empire, avec un non-internet. Donc le niveau de connaissance et le niveau de possibilité en reconstitution était beaucoup plus petit qu'actuellement. Ah bah c'est sûr. Après les bicentenaires, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ça va devenir. Il n'y a plus de bicentenaires. Cette année, c'est le dernier, c'est la mort de l'Empire. C'était le dernier. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a vu arriver beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par l'histoire et qui surtout veulent vivre quelque chose. Le côté statique dans les camps, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui les intéresse, entre guillemets, c'est faire une immersion totale et de se mettre dans la peau du soldat. Il y a une part de jeu de rôle, finalement, maintenant. Alors, on est tout à fait dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'entre 8h et 18h, je vais plus être Alain Thu, je vais être Caporal Fourier, et je vais te vouvoyer, je vais t'appeler par ta fonction et par ton nom. Même toi, si on est Caporal Pouscaillou. C'est exact, voilà, Caporal Pouscaillou. Ouais. Et alors, depuis que ce matin, là, qu'on est arrivé et qu'on bosse avec vous, vous avez réussi à nous trouver des surnoms ou...
Il y a quelque chose qui vous Je pense, ça va cogiter. Bon, c'est pas impossible. Il voulait prendre, il voulait prendre Caporal Large Poutre, c'est pas prêt. Large Poutre. Non, mais je désespère pas qu'il fasse une bêtise. Ça fait assez prétentieux. On disait tout à l'heure que là aussi, c'est un entraînement pour une démonstration que vous allez faire à Versailles. Tout à fait. Le 11 septembre, tu auras une grosse démonstration au château de Versailles avec à la fois de la cavalerie, de l'artillerie, de l'infanterie. On sera à peu près 300. Donc, ça permettra aux gens d'envisager tout l'Empire sous les différentes formes, aussi bien militaires que civiles, cheval, artillerie. Ça va être ouvert au public ? C'est ouvert au public, oui, c'est bien super. Sûr. Bah, ça va être sympa, ça. C'est bien sûr. Les infos. Donc, il y aura de l'infanterie de la garde, il y aura de l'infanterie légère, de l'infanterie de la ligne, il y aura, je crois qu'il y a la musique de la garde républicaine aussi. Donc, ça sera une très, très belle prestation. Donc, et là, tu nous parlais de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut faire comme belles choses avant de partir ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On pourrait peut-être tirer, hein, alors, un peu. On peut faire un petit exercice de charge et de tir. Eh ben, génial. Toi, tu es le caporal... Caporal Gaden. Gaden. Et donc, tu vas nous montrer un petit peu comment servir de l'arme. C'est ça, voilà. C'est ça ? Je vais vous montrer, donc, de nos armes de service, finalement, aujourd'hui. C'est ça, de nos armes de service, aujourd'hui, qui sont bien bonnes et bien fidèles. Normalement, ça va bien fonctionner. Donc là, on est d'accord que c'est les pires conditions, parce que sous la pluie, il y a des chances que ça ne marche pas. C'est ça, tout à fait. Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que donc le système d'armes est un système à poudre, donc avec un silex. À poudre noire. Poudre noire, tout à fait. Donc avec un silex qui vient frapper sur une platine, faire une étincelle et allumer le bassinet. Le problème, c'est que si la platine est mouillée, forcément, le silex ne fait pas d'étincelle. Donc voilà. Tu charges la poudre, etc. Ici, c'est ça, voilà. Et le projectile, que là on n'a pas, lui, il est chargé directement dans le canon. Donc le projectile est directement dans la cartouche à l'époque. Donc une cartouche, ça a cette forme-là. Donc le projectile est en papier. Au bout, normalement, à l'époque, on trouve la balle. Après, la charge de poudre. Donc on déchire la cartouche. On vient verser un peu de poudre dans cette partie-là du bassinet, ici, okay. Qui va servir d'amorce, ce qu'aujourd'hui on trouve au fond des cartouches. Ah ouais, bien sûr. Pas. Voilà, on vient fermer. Et le reste dans le canon. Et le reste dans le canon. Alors, du coup, on attaque la charge. La charge. Montre. Donc, je vais vous faire une charge. Là, je tiens à préciser aux gens qu'on ne tire pas de projectiles. Hein. Voilà. Donc, voilà ouais. Là, on tire juste une charge de poudre parce qu'on n'est évidemment pas sur un pas de tir, etc. Non, donc, bon point. Voilà. Portez vos armes. C'est pas dérangeant d'avoir les organes de visée près de l'œil alors qu'il y a une énorme déflagration ? Alors, l'organe de visée n'est pas près de l'œil, il est ici. Il y a un seul organe de visée ? Il y a un seul organe de visée. C'est complètement débile. Il est approximatif. Ah, c'est pas approximatif, c'est strictement impossible de viser si t'as pas deux organes de visée. C'est strictement impossible. Ah oui, si t'as pas deux organes de visée, tu peux pas aligner ta cible. C'est vrai. Voilà. Bon, le fusil quand même arrive à faire mouche jusqu'à 60 mètres quand il était en volée. Okay. Mais il fallait que ça soit une volée et que ça pourrait être efficace. Sinon, après, tout dépend ce qu'on entend faire mouche, c'est sur quelqu'un, c'est-à-dire toucher un homme. Voilà, toucher un homme. Voilà. C'est vraiment pas précis du tout. Hein. Voilà, on n'est pas sur le tir sur cible. On est sur de la guerre de pas sur d'accord en même temps. Et c'est pour ça qu'on est comme c'est ce que certaines Christopher, personnes ne comprennent pas. Certaines personnes trouvent grotesque la guerre de ligne. Complètement stupide. Alors mais que c'est adapté au matériel. Pendant 300 ans, ça a été comme ça. C'est bien qu'il y ait une raison. C'est parce que l'équipement en fait répondait à cette guerre-là. Évidemment. Pour rien d'autre, on ne peut pas faire de la guerre de ligne avec une arme actuelle. C'est du suicide. Donc là, vous prenez votre position, bien de profil. Comme ça ? Ouais. Et à feu, vous appuyez. Feu ! Voilà. Donc là, on a eu le droit à deux échecs, c'est ça ? Donc là, vous avez le droit à deux échecs. Toi aussi, ça a fait... Non, moi, ça a rien fait du tout. Moi, c'était déjà mieux, voilà. Tu vois. Donc là, ça a fait... Donc là, il y a deux types d'échecs. Ah, là, c'est la platine mouillée qui n'arrive pas, qui fait son étincelle, mais elle ne tombe pas dedans. Et là, ça se répand pas. Et là, à l'intérieur. C'est, ça prend feu, mais comme la poudre est mouillée, et ça fait une pâte qui bloque au niveau du truc. Très bien.
Voilà. Super. Donc je vais voir si je vous le charge le mien et qu'il part. Ouais. Et voilà les aléas du. Les aléas. Bah c'est les aléas de l'Empire. Hein. Ouais. On peut pas faire plus réaliste. Attention, peut-être un autre échec. Joue. Sans l'échec. Feu. Voilà. Joue. Deuxième chance. Feu. Toujours pas. Incroyable ça. Il va se laisser surprendre quand ça va partir. Alors, c'est un petit peu le dernier essai. On a été chercher un fusil qui était au sec. Parce qu'on aimerait bien vous montrer au moins un qui tire. Donc, ce ne sera pas Chris et moi qui allons le faire parce que si on foire la manœuvre alors que c'est le seul fusil sec. Donc là, c'est la dernière chance en gros, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Je pense. Arme. Joue. Putain, ça veut pas, c'est hein. Pas possible. Voilà. Yes. Yes. Il était beau celui-là. Voilà, du premier coup. Bon, alors merci infiniment. Écoute, de nous avoir reçus. On se revoit à Versailles. Ouais, c'était génial de vous rencontrer, parler c'était boutique cool. Un petit peu avec vous. On a pu voir un petit peu. Et puis vous êtes bons les mecs, hein, donc j'ai des papiers d'engagement, donc quand vous voulez, on y va. Hein. Ouais. On va réfléchir encore, bah, parce que une seule saucisse à la cantine. Ouais. Je sais pas non, si non, je non, vois, mais... autant les marches de 3 heures et les fusils qui tirent pas. Bon. Non, mais attendez, les mecs. On accepte. Non, mais une seule saucisse. On va pas vous donner une saucisse pour deux trois petits trucs. Dès que vous aurez fait une marche de 30 ou 40 km, là on cause. C'est combien de saucisses quand on tue un Prussien? 10, 12. Ça dépend. Vous commencez, 8, 10, 12. Vous commencez déjà par garder. Parce que moi, je tue même les prisonniers. Ouais. Vous avez une super rigueur vis-à-vis de votre univers et de ce que vous défendez. Ça fait plaisir à voir pour des gens comme nous qui sommes totalement extérieurs. Ils sont dans le rôle. Ouais, oui, mais ça paraît pas... Enfin, comme on dit, ça fait pas le côté fou, non, pas du geek. Tout. Voilà. Une fois dedans, on rend bien compte que voilà, vous êtes tous super sympathiques. Et il y a le côté hommage. Et donc, ouais, moi, j'encourage vraiment les gens à Il y a le côté hommage, il y a le côté histoire de nos ancêtres, parce qu'on a quasiment tous eu un soldat dans les armées de l'Empire. Donc c'est important de savoir parler de l'humain. On parle beaucoup de grandes batailles, on parle de l'Empire, on parle de 14. Finalement, ce qui intéresse les gens, c'est l'humain, c'est l'histoire de leurs arrière-grands-parents. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, est-ce qu'ils ont eu peur, comment ils étaient équipés. Ça les intéresse. On a le plaisir, le devoir de mémoire, la connaissance, la transmission de la connaissance. Ouais, mais de faire tout ça dans c'est un important. Loisir, ouais. C'est super avoir intéressant. Je crois beaucoup à une autre approche de l'histoire, quelle que soit la période, de vivre l'histoire un peu différemment. Et je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'intérêt de la part des jeunes générations si on leur donnait une histoire un peu plus réelle, un peu plus concrète. Évident. C'est évident. On va rester sur ce mot-là. Ouais. Je mettrai la description pour l'événement de Versailles. Ça a été un plaisir. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Encore un grand merci à la boutique Napoléon pour avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouvez-les dans leur boutique au Palais Royal ou alors sur le site napoleon-souvenir.com. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.